Bonjour à tous, donc là je vais enregistrer mon premier morceau pour One, pour mon EP qui va s'appeler You. Et donc c'est le premier morceau que j'ai fait, donc là c'est juste une première approche. Donc c'est mon premier morceau avec ce superbe engin, n'est-ce pas, qui est le Novation Circuit. Voilà, donc j'ai reçu il y a quelques jours et j'ai mis mes propres samples à l'intérieur, fait un son ou deux, et voilà, donc j'ai fait mon premier morceau. Bon, il risque évidemment de changer quand je maîtriserai un peu mieux la bête, hein, mais c'est une... Moi, je serais content de mon achat, en fait, pour 300€, ça vaut le coup, quoi. Très bonne machine. S'il y avait eu ça il y a 20 ans, ça aurait été la folie, on ne s'aurait peut-être même pas rendu compte. Enfin, voilà, quoi. Donc là, je vais juste jouer sur le sur les volumes et un peu sur un filtre pour ce premier enregistrement, parce que je ne maîtrise pas trop bien le son et tout ça, et j'ai pas envie de complètement partir en vrille non plus. Donc voilà, j'ai fait un peu, comment dire, easy way. je vais faire un petit peu, je vais la jouer un petit peu facile dans le sens où je prends pas vraiment de gros risques. J'ai juste le volume, mais enfin bon, tout est dans la préparation du son, n'est-ce pas? Voilà, donc c'était très intéressant de travailler avec et tout ça, donc je suis très content de mon achat. C'est super léger, donc c'est très bien pour moi, comme ça, pour un petit poumon, avec un petit poumon, je peux pas porter de choses lourdes ni aller très loin, donc c'est nickel. Et là, en fin de compte, au début, je pensais chanter par-dessus, mais comme je suis chez moi, je peux en crier, puis j'ai pas encore le bon effet. Donc je me suis dit, je vais enregistrer la voix avec un générateur de phrases, on va dire, enfin de voix... sous Linux, ça s'appelle G-Speaker, donc la voix vient de là, et après, comme j'avais mis un premier sample à la bonne intonation, mais qui était trop long, j'ai fait plus rapide, en fait, et il a fait un peu moins de 2 secondes, il est passé dans le circuit, parce que mon première version s'est fait chier, et finalement, la deuxième version est passée, la version un peu plus rapide, et en fin de compte, je la joue en jouant sur le pitch, en mettant plus bas, et finalement ça passe pas mal, je trouve. Donc je suis assez content de cette petite trouvaille qui permettra peut-être de faire les mêmes morceaux, soit avec le chant où je chanterai vraiment en direct, soit à l'occasion de placards ou de diffusion sur internet, d'avoir les paroles des chansons, parce que souvent pour l'album You en tout cas, ça sera qu'une seule phrase. Et donc ça me permettra de jouer juste avec l'innovation sans avoir à chanter et d'avoir quand même le texte, donc c'est, moi je trouve ça formidable. Je suis assez content de moi sur ce coup là bon, c'est peut-être ridicule, mais bon, ça me suffit. Voilà, donc là vous pouvez entendre dans les news, c'est Attends-toi à Londres. Donc cette première session est dédiée aux victimes de l'attentat de Londres, n'est-ce pas, de ce jour de... enfin en fin de compte l'attentat a eu hier soir, et moi je l'ai appris que ce matin, que ce midi. Voilà, et aussi une spéciale dédicace à Alain Léonard, n'est-ce pas? Et puis aussi à TXX quand même. Voilà, et puis bon, pour qu'on y aille, c'était un édifice, hein, quand même. Hein. Voilà. Donc, je coupe la caméra et je démarre mon premier morceau de One, donc You are an element of the system, version machine. Première version. Thank you.
Et voilà, je me suis un peu lourdé en fait, parce qu'en filmant j'étais un peu perturbé, je me suis un peu lourdé dans l'ordre des chances, des parties que je voulais, dont je voulais augmenter ou baisser le volume. Ça sera une version spéciale remix dès le départ. Il n'y aura pas une version originale, il y aura directement la version remix. Et voilà. Hein? Non, c'est pour conserver le premier jet en fait, voilà, de dire que ma première vidéo. Ça a été vraiment la première vidéo. Voilà. Yes. On parle de la fusion entre l'UCLAT et